Salut les gars, c'est Ozzy, on se retrouve pour notre deuxième épisode sur Pankapu, ce petit jeu de Made in France créé par d'anciens d'Ankama, je le répète encore, et oui, et c'est parti, bah, sans beaucoup plus attendre, nous allons au Bois des Braves avec notre cher Pankapu, essayer de trouver Oiti de nouveau, que nous cherchons. Nous voici dans la forêt luxuriante. Ah, j'ai pas vu la fin, j'ai pas eu le temps de lire, faut, vous ferez pause. Je suis désolé. Même moi, j'ai pas eu le temps de lire. Hop. Tchac. You. Hop. Wahou. Zou. Zou. Voilà. Non. Tchac. Ah, il faut savoir qu'il y a des petites choses cachées des fois. Certains endroits. J'en ai pas encore trouvé. Je sais plus. J'en avais trouvé en le testant à la Paris Games Week, ce jeu. Justement dans ce niveau-là, je crois. Mais là, je l'ai pas retrouvé encore pour le moment. Voilà, et justement, est-ce que... 10... Non. Je pense pas. Hop. Tac. Ah, je crois qu'il y en a un là. Non, il n'y en a pas là. Il me semblait qu'il y en avait un là. Entends-tu ces sanglots, Pankapu ? Allons voir ce qui se passe. Bah oui, j'aimerais bien, si tu me laisses. Ah, bah c'est sûrement Oiti. C'est Oiti. Oh, gagné. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici, loin de ta maison? C'est toi, Chi. Que fais-tu là? Les Yanagis, ils détruisent tout. Ma maison, mes amis, Mujin. Il ne reste plus rien, Sniff. Alors je suis parti, mais ils sont partout. Je ne sais plus quoi faire. Pauvre Oiti. Mais regarde, voici Pankapu, c'est un gardien des rêves. Il est envoyé par Ikotomi spécialement pour te sauver. Me sauver? Il n'y a plus rien à sauver. Les Yanagi ont tout pris. Mes amis Mujin ont disparu. À quoi bon m'aider si c'est pour me retrouver tout seul? Ça ne sert plus à rien, c'est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Sans mes Mujin, je ne serai plus jamais heureux. Jamais plus heureux. Laissez-moi avec ma tristesse. Partez. On a super. Pauvre Oiti, il n'est pas au mieux de sa forme, lui qui est d'habitude si joyeux et plein de vie. Si seulement nous arrivions à retrouver ses amis Mujin, il regagnerait espoir et nous laisserait l'aider. Je ne sais pas ce que sont les Mujin, c'est vrai que tu es nouveau par ici. Les Mujin sont des esprits que l'on trouve un peu partout dans Omnia. On dit qu'ils sont le fruit de l'espoir des habitants d'un autre monde. Ça expliquerait leur joie de vivre et leur insouciance perpétuelle. Ils sont cependant entourés d'une magie particulière qui les rend invisibles aux yeux de la plupart des gens. Toi par exemple, il t'est encore impossible de les distinguer, mais rassure-toi. Pankapu, impossible n'est pas chi. Il existe un objet qui devrait résoudre notre problème, l'éclat de Mio. Je sais où on peut s'en procurer un, en revanche, je te préviens, il va falloir grimper. Il se trouve tout en haut de la cime des armes de Pepu. Ça risque d'être difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Avec cet éclat en ta possession, tout ce qui était invisible se révélera à toi. Tu devrais donc partir à la recherche des Mujin disparus. Si tu en trouves au moins un, je suis sûr qu'Oiti retrouvera espoir et qu'il acceptera que nous l'aidions. Ne perdons pas de temps, allons-y, gardien des rêves. Ok, c'est parti! Je sais pas en fait par où il faut que je passe. Je pense que c'est par là, parce que... Je vais vérifier avec vous, mais je crois bien que... Par ici... Je ne peux point. Exactement, chers amis. Donc hop, c'est parti. Wouhou! Arrête! Ouh! Ouh, fourbes! Ou fourbesse et fourberie. Ah. Olé, raté. Le petit... Ah. Ah non, pas cool. Aïe. C'est très très fourbe. Ah, y a la fourberie. Ok. Ok. Alors, c'est parti pour... Pour Pepo. Non. Non, la futaie scintillante. Voilà. Hein, le Bois des Bras. Jardin de traverse. Je sais pas pourquoi on peut pas revenir sur le premier niveau. Enfin bref. C'est parti. À mon avis, là, il doit y avoir quelque chose d'effectivement d'important. La futaie scintillante. C'est parti. C'est parti. Oh là là, que d'adversaires. Aïe. Oh là. Idiot. Oh, l'idiot. Alors, zou. Ah.
Qu'est-ce donc? Des chauves-souris. Attendez, y a pas quelque chose là? Ouah, y a du monde! Aïe! Je vais finir par... par y laisser ma... par y laisser ma peau! Zou! Zou! Oh là là là! Moi qui espérais montrer du skill dans ce jeu! Pas du tout... Hop là! J'aurais pu tout simplement aussi ne pas... ne pas y passer... Aïe! Hop là, voilà. Bon, heureusement qu'il y a une petite sauvegarde automatique qui redonne de la vie. Oh, ça me fait vraiment penser à Rayman, chers amis. Mais vous, je crois que vous pouvez pas imaginer à quel point... Ah non, mais ça, en fait, ça sert à rien, ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là ou pas? On va partir du principe que non, parce qu'on va partir du principe que ces petites... chose à trouver. Aïe! Saleté de bestiole de... de bip! Ah oui! Ah c'est pas cool ça! Hop! Voilà. C'était par là qu'il fallait passer. Zou! On peut speedrunner un peu le jeu. Hop! Non, je rigole. C'était pas là-dessus qu'il fallait passer. Zou! Olé, raté. Oula, comment je me suis... comment je me suis fail. Oh, chers amis. Oh, trop facile. Hop, aïe. Olé, olé. Oh, magnifique saut. Wouh. Olé. Aïe. Sale bête. Aïe. Non. Aïe, sale bait! Ah, sale bait! Ah, le décès. C'est le décès. Ah, la sale bait! Je suis toujours en V! Hop, raté. Non, je voulais pas le prendre. Raté. Ah, t'as cru m'avouer, mais tu ne m'as point eu. Ah oui, je suis reparti jusque là. Ah, c'est mauvais de m'appeler ça. Hop là, raté. Zou, je passe. On vient par là, sale bait. Ah, il se tourne. Non, mais viens par là. Aïe, aïe, on peut pas faire le bouclier en l'air. Ça, c'est pas cool. Et ça passe, c'est bon. Hop, on a réussi. Hop, sauvegarde. Zou. Tchouk. Ah non. Aïe. Pas cool. Oula. Ah d'accord. Oh, j'aime beaucoup aussi ces petits jeux de lumière. Ah. Mauvais timing. Ah. Aïe. J'ai l'impression qu'il y a des passages qu'on peut pas... d'accord, il a peur que ces plateformes de cristal ne résistent pas. Ah, ah oui, pas du tout, oui. Ouch, ton mur est effectivement trop lourde. J'aime beaucoup ces petits changements de... olé. De lumière. Ces petits changements de lumière selon... aïe. Selon si on a beaucoup de place ou pas. Où elle est, ça, où elle est la sale bait? Elle est là. Bon, ok, on s'en fout. On passe. Olé! Est-ce qu'il y a sale bait? Olé!
Eh ben c'est parfait ça. Continue. Ascenseur s'il te plaît. Ah. Je pense que nous arrivons à la fin de ce niveau. Qu'est-ce donc? L'éclat de... Miro. Ça en jette, hein. Mio ne fait pas les choses à moitié. Il s'agit de l'hymne miroir qui trône tout en haut d'Omnia. Personne ne connaît trop son rôle exact. On sait juste que sa puissance est telle que certains endroits comme celui-ci sont imprégnés de son pouvoir. Prends cet éclat de Mio, laisse-moi t'en... et laisse-toi envahir par sa magie. Grâce à elle, tu devrais être à présent en mesure de percevoir la présence des Mojin autour de toi. Oui, je prends l'éclat de Mio. Quelle chance, regarde, juste là, Mujin. Oh oui. Et voilà, les Mujin, vous avez trouvé un Mujin. Ces petits êtres malicieux sont les meilleurs amis d'Oiti et les porteurs d'espoir à l'arrivée des Yanagis. Ils se sont dispersés à travers tout Omnia, aidez-les en les retrouvant dans les différents niveaux que vous explorez. Il y a 100 Mujin par chapitre tous les 25. Pankapu, blablabla. Augmente un fragment de l'Utanite. En les récupérant tous, il est dit que l'espoir pourra renaître en Omnia. Ok. Bien joué, Pankapu, retournons voir Witty à présent. Ah bah d'accord, la plateforme qui bouge. Zou, zou, et bah c'est parti. Hein, on va retraverser le bois des braves et on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Alors, zou, Witty, j'ai une bonne nouvelle. Viens, mon ami. J'ai une super nouvelle pour toi. Oula, j'ai l'impression qu'il y avait des petits frises. Oh, un autre. Il y en a 9 ici. Toc, 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 toc. Zouf. Il y en a un là. Voilà. On le voyait, on l'apercevait légèrement. Si vous ne croyez pas, vous ferez une pause. Mais il n'y a aucune raison que vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Oula, c'était juste. Zou, il y en a un là. Allez! Mourez, sale bête! Zou, il y en a un ici. Touk, 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 touk. Oiti! Ne pleure point, Oiti, nous sommes de retour! Je vous ai demandé de me laisser tranquille! Tu veux qu'on te laisse tranquille, pourtant Pankapu a rapporté quelque chose qui devrait te donner le sourire. Pankapu montre un Mujin à Oiti. Un Mujin ? Comment avez-vous fait ? Vous l'avez trouvé où ? Où l'avez-vous trouvé ? C'est une longue histoire, le principal c'est que Pankapu ait réussi à secourir un de tes amis. Maintenant que Pankapu t'a prouvé qu'il était un vrai gardien et qu'il a réussi à sécher tes larmes, acceptes-tu qu'il te vienne en aide ? Bien sûr, le village des Mujin a été envahi par les Yanagi, un monstre gigantesque, Tiracine. C'est même emparé de ma maison, il faut les chasser de là pour que Pelpou retrouve la paix. Si vous acceptez de m'aider, je vous accompagne jusque là. Je vais vous ouvrir la voie. Tchou! C'est parti! Ha! Ok, voilà. Et voilà, on continue tout droit, on arrivera à la mare au Mujin. Avant de partir, j'aimerais te remercier, Pankapu. Oh yeah! What? Qu'est-ce donc? Bizarre. Lame tournoyante! Bravo, vous avez débloqué la lame tournoyante. Pankapu peut désormais lancer son épée lorsque vous appuyez sur Y, provoquant de gros dégâts et permettant d'atteindre les ennemis éloignés. La lame tournoyante détruit même les projectiles qu'elle rencontre sur son passage. La lame tournoyante coûte un point d'anima. Pankapu possède désormais une jauge de points d'anima. Ces points lui permettent d'utiliser ses attaques spéciales en appuyant sur Y. Chacune de ses actions coûte un certain nombre de points. À chaque fois qu'il bloque un assaut d'ennemis avec son bouclier, Pankapu regagne une partie de ses points d'anima. D'accord, afin de ne jamais être à court, veillez à alterner entre séquences d'attaque et de défense. Logique. Et voilà, grâce à ce nouveau pouvoir, tu vas pouvoir vaincre des ennemis qui étaient impossibles à éliminer avant. Dis Pankapu, je peux te demander une dernière chose, il reste encore beaucoup de Mujin à sauver si tu en rencontres au cours de ton aventure, tu veux bien prendre soin d'eux? S'il te plaît, je suis sûr qu'ils le rendront bien. Pankapu, le protecteur des Mujin, ça sonne bien. Pchouf! Voilà.
Lonely, je suis à nouveau tout seul. Ah! Ah d'accord, donc on peut les détruire maintenant ces trucs-là. Bien. Ah bien! Ah c'est bien! Oh floute! Ah! Vas-y tire! Même pas peur! Boum! Tire encore un coup. Merci! Merci bien, merci bien! Allez! Trop puissant, cette lame tournoyante! Merci de me régène. Petit fourbe. Wow! Fou! Aïe, ok. Ok, j'aurais pas dû passer par là. Autant pour moi. Maintenant, je peux plus monter, j'ai pas le choix. Zou! Et voilà, donc notre prochaine destination sera le Sentier Blanc. J'ai trouvé 5 sur 9, là un seul sur 16, donc ouais, il faudra repasser. Là il n'y en a pas, d'accord. Il faudra repasser sur certains niveaux pour trouver tous les... tous ces petits esprits, mais donc voilà. Et bien voilà, écoutez les guys, ça sera tout pour ce deuxième petit épisode. J'espère qu'il vous a encore une fois plu, que ce jeu vous plaît. Moi franchement, je l'affectionne bien. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu. À vous abonner à la chaîne pour devenir un guys et voir la suite des vidéos sur Pankapu ou bien toutes les autres vidéos que je vous propose sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine. C'était Ozzy.